Elle interdit à cette Palestinienne de réciter le Coran. Au milieu de cette rue, une femme palestinienne est assise, un livre à la main. Elle lit le Coran, le livre sacré d'Allah. Elle récite calmement, histoire d'apaiser son cœur. Mais soudain, une femme juive, officier de police, s'approche d'elle. Elle lui interdit fermement de continuer sa récitation. La femme palestinienne la regarde surprise et lui demande « Pourquoi je dois arrêter ? Je lis juste mon livre. » La policière juive insiste et lui dit qu'elle ne peut pas lire ça ici car c'est interdit. Les femmes autour pleines de sagesse lui demandent de se calmer. Mais la policière est quand même revenue plusieurs fois pour essayer d'arrêter la récitation de la sœur palestinienne. En vérité, ce n'est pas le fait que cette palestinienne lise un livre qui la dérange. Elle aurait pu même chanter une chanson à haute voix, ça ne l'aurait pas dérangée. C'est le fait qu'elle récite la parole d'Allah qui la dérange. Tout ce que ces colons détestent et n'ont pas dans leur cœur. Cette femme juive a tenté d'intimider cette musulmane qui récite le Coran. Mais la sœur courageuse a quand même continué sa récitation. Les troupes juives commettent des injustices chaque jour envers les musulmans de Palestine. Et malgré tout, ce peuple continue à rester courageux pour protéger leur lieu sacré. Cette vidéo nous montre à quel point il est difficile de vivre dans un endroit colonisé. Ou même réciter le Coran à voix basse peut vous causer des problèmes. Mais elle nous montre aussi le courage de ceux qui continuent à espérer la paix et qui ont une totale confiance envers leur Créateur. Qu'Allah préserve le peuple palestinien et qu'il leur vient en aide. Et Allah est le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.